Vous avez fait quoi cette semaine, les enfants? On fait des ateliers pour faire un film en prenant des photos et en bougeant et les personnages vont bouger. Papa se fait un film d'animation. Animation. Cette semaine, on est venu avec ma classe faire un film d'animation. Tu peux me citer des choses qui sont rondes? Une tête, une roue, le champignon, le chapeau du champignon, une banane, un visage, une tarte. Dans la nature, il y a des fraises qui sont rondes et des cerises. Une roue de camion et un rouleau papier toilette. Tu peux me citer des choses qui sont carrées? Le torchon. T'aimerais bien être un torchon? Non, parce qu'un torchon, les gens, ils s'essuient dessus et puis moi, j'ai pas envie qu'on s'essuie sur moi. Le mur, il peut être carré. Les fenêtres. Une patate, ça a quelle forme? La forme d'ovale. Un chien, ça a quelle forme? Ovale. Un chat, ça a quelle forme? Ovale. Parce que c'est pareil, les chats et les chiens. Là, il y a un magicien qui arrive, il te transforme en quelque chose de rond. Tu choisis de te transformer en quoi? En pomme. Parce que j'aime bien les pommes. Un chat? Être un chat. Parce que les chats, ils ont une tête ronde. J'aimerais bien être un ours multicolore. Un pneu. Et si y a un magicien qui veut te transformer en carré, tu choisis d'être transformé en quoi? En fenêtre. Et comme ça, je peux voir dehors et à l'intérieur. J'aimerais bien être un chien. C'est carré, un chien? Oui. Non. Un radiateur. Parce que ça chauffe et moi, j'ai tout le temps froid. Une table de nuit. C'est quoi l'histoire du film que vous avez fait? Moi, je sais pas, vu que j'étais pas là. Au début de l'histoire, il y a un enfant carré qui est dans une école toute carrée. Et puis un jour, petit carré, il avait envie de déménager avec sa mère. Et puis, il voulait aller dans l'école des ronds. C'est où il y a une école des petits ronds. Les petits ronds, ils jouaient. Il y avait un nouveau qui arrivait, il était timide. Et les petits ronds, ils sont accueillants? Oui, très accueillants. Ils jouent dans la cour avec les ronds. Et après, quand la maîtresse dit les enfants rentrent, tous les ronds rentrent et le carré reste bloqué dehors. Ils ne pouvaient pas rentrer à la porte. Mais non, je ne peux pas rentrer. Et je ne peux pas passer. Pourquoi elle ne peut pas rentrer? Parce que c'est une école de ronds et puis la porte, elle est ronde. Ils étaient tristes parce qu'il devra rester tout seul dehors. Pourquoi toi, tu peux rentrer dans une porte rectangulaire? C'est un peu comme si j'étais en rond, mais en beaucoup plus petit, mais aussi en beaucoup plus grand. Et j'aurais pas la même forme que le carré. Je suis beaucoup plus petit, donc j'arrive mieux à passer. Donc les ronds, ils essayaient de trouver une idée. Et là, il y a un rond qui a trouvé une idée. C'était de couper petit carré en morceaux. Mais les autres ronds, ils disaient non. Parce que c'est pas bien de couper des gens. Et finalement, les ronds ont trouvé une idée. C'est de couper la porte en carré. Comme ça, tout le monde pourra entrer. Il peut entrer. Il sourit. Il est content. Qu'est-ce qu'il dit à ses amis, petit carré? Merci. Qu'est-ce qu'ils répondent? De rien. C'est quoi la suite de l'histoire? Par exemple, quand je vois les Power Rangers avec ma petite sœur, il y a toujours une suite. Petit carré est devenu super gros. Il a mangé beaucoup trop de bonbons. Il peut plus bouger. Comment il aide les petits ronds? Ils essayent de le pousser. En lui faisant faire un régime. Pour maigrir, il doit manger des tomates, des carottes, des concombres.
Son régime pour maigrir, c'est de manger une girafe. Une girafe? Ouais. Les ronds, ils doivent se dire au carré qu'ils doivent faire du sport. Du volleyball. Du vélo. Du football. De la course à pied. De la natation. De la boxe. De la zumba. Parce que le sport, ça fait maigrir. Une heure après, il a tout mangé et il a maigri. Et maintenant, il arrive à passer par la porte. Et après, il marche. Il marche à côté de l'école. Nous avons terminé le film.